Bonjour, bonjour, voilà un nouveau tutoriel aujourd'hui. Une chanson, il fait meilleur quand même, hein. On est dans les maisons, températures sont bien baissées quand même. Là, je regarde, on est quand même encore 26 quand même, hein, dans la pièce. Donc, merci hein, pour tous vos messages, hein. Et puis là, on va faire une chanson de Nino Ferrer. Bon. C'est une chanson qui peut faire peur, hein, le Sud. Mais bon, je l'ai modifié de manière à ce qu'elle soit abordable. Bon, c'est pas non plus la même qui était faite par Nino Ferrer, mais disons que ça permet de faire cette chanson, de vous faire plaisir, et ça vous permettra également de la voir parmi toutes vos chansons, quoi. Même les débutants. Pour pouvoir la jouer. Moi, je vais vous la proposer en accord plaqué. Il y a uniquement le petit riff, le petit passage sur lequel on va s'attarder un peu plus. Autrement, il n'y a rien de compliqué dans ce morceau-là. Voilà. Donc, simplicité, hein. Et puis, il faut prendre son temps. Alors, il y a plusieurs possibilités, hein. Soit vous utilisez, alors c'est pas le Pi Mami, parce que Pi Mami c'est ça, on remonte, avec là on descend seulement. Alors par contre on va faire une prise en pince, on utilise le deux doigts, deux cordes, une basse en général, et une des trois cordes qui sont en bas du manche, donc les cordes Mi, Si, Sol. Ça c'est l'introduction qu'on peut faire en accord plaqué comme on peut faire en arpège. Mais là je vais pas travailler l'arpège, je vais travailler plutôt l'accord plaqué. Et donc on va voir les accords et après d'abord je vais vous faire l'intro. D'abord je vais vous faire l'intro, premier couplet, refrain. Après on va détailler chaque accord et après on mettra les accords sur le morceau. Et pour finir, on regardera le petit passage là. Alors, donc je commence. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane. À l'Italie, il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. Et toujours en été, voilà, ça c'est pour la partie chant. Maintenant, on va voir les accords qu'on utilise sur ce morceau. Le premier accord que nous avons trouvé sur le morceau, c'est un Do. Une position de Do, je précise. Étant donné qu'il y a un capot, on ne peut pas dire que c'est un Do. Hein? Forcément. Position de Do. Ensuite, nous allons venir sur Mi. Sixième corde.
La mineur. Dans la mineur, on l'attaque à la cinquième corde. Le Fa ouvert. Alors, comme c'est un Fa ouvert, qu'on n'a que 5 cordes de pincée, on ne frappe que 5 cordes. Si on fait le barré, on peut frapper les 6 cordes. Ou alors, si on veut vraiment faire le basique, vous faites, voilà, tout simplement. Alors, j'étais au Fa. Ensuite, on va lever le majeur. Alors, ne croyez pas que je vous fais un geste particulier, hein. Je fais un accord de Fa mineur. En enlevant mon majeur, je dégage une corde. Donc, on obtient un Fa mineur. Ensuite, sur ce morceau, nous allons avoir également un Ré 7. Ré 7, le Ré étant la corde 4, on frappe les 4 dernières cordes. Ensuite Ré, parce que vous pouvez très bien faire le Ré, faire l'impasse sur le Ré 7. Bon, ça c'est position Jean-Charles, hein. Les gens qui sont strict, il faut être, vraiment faire les trucs comme ça, ils vont pas vouloir. Si c'est un reset, il faut faire un reset. Mais si c'est pour vous faire plaisir, vous pouvez vous amuser à travailler le reset, mais pour pouvoir vous amuser à faire le morceau entièrement, vous pouvez faire également en Ré. Voilà, donc c'est pour ça que je vous le propose. Alors, au niveau des accords, le Ré, Ré 7, le Sol, éventuellement le Sol 7, c'est pareil. Voilà, et ouais, aussi il y a un accord que j'ai ajouté qui n'est pas sur la partition. J'ai simplifié, mais j'ai rajouté un accord quand même. C'est le Do majeur 7. C'est-à-dire que c'est un Do, c'est exactement le même que le Do, si ce n'est qu'on enlève l'index. Ça c'est pour la transition entre le Do et le Fa, mais on verra ça plus tard. Voilà, ce sont là les seuls accords que nous allons trouver sur ce morceau. Voilà, voilà, donc il y a un passage qui est, il y a un petit bout sur le morceau qui peut faire peur, c'est... Donc on va d'abord le faire, on va le décomposer note par note. On va utiliser les cordes de 6, 5 et 4. En attaquant à la troisième case, bon, on considère que ça c'est le Si et 1. Je ne vais pas toujours tout répéter pareil. Hein. Donc on attaque à la corde 6. On frappe la corde 5 à vide. On vient positionner son doigt à la case 2. On vient frapper à la case 2, case 3. On va frapper la corde 4 à vide. Et on va venir frapper la case 2 de la corde 2, la corde 4. Donc, ça c'est si on le fait en note par note. Donc vous travaillez un maximum. Alors l'astuce, c'est de pouvoir jouer, c'est de pouvoir frapper ces trois cordes une fois. Donc, vous voyez, là je frappe une fois la 6, positionnée case 3. Ensuite je frappe la corde 5 à vide. Je viens faire un hammer et un pulling off ensuite.
Ne vous embêtez pas avec les mots, hein, bon, il faut que je le dise, hein. Voilà, donc je frappe une fois l'accord de 6, une fois l'accord de 4, une fois l'accord de 5. Comme on avait travaillé tout à l'heure, 2 et 3. Et on fait pareil pour l'accord de 4. Donc, si vous regardez cette main-là, je frappe que une fois chaque corde. Alors que si je le fais en décomposé, le nombre de fois où je frappe les cordes. Oui, alors je profite également, j'ai eu un message me disant que bon, ce serait bien que je précise les durées, par exemple, dire si c'est une noire, si c'est une croche, si on fait un triolet. C'est pas ce genre de choses qu'on trouvera sur le guitareux. Moi, mon but, c'est pas de faire Moi, mon but, c'est pas de faire de la. Comment on va dire la musique, c'est comment la musique. Du solfège. Mon but, c'est pas de faire du solfège. Il y a des chaînes qui sont très bien, qui vous permettront d'évoluer. Hein. Moi, c'est les bases que j'essaye de vous donner. Et j'ai rien contre les personnes qui font des trucs un peu plus complexes, hein, et qui précisent par exemple un triolet. Un triolet, comment dire, oh, je rentre même pas dans là-dedans parce que ça va vous compliquer pour rien. Si vous venez ici, c'est parce que vous voulez faire des morceaux rapidement. Voilà, et simplement. Voilà, il faut rester simple. Après, à vous de voir si vous voulez évoluer, de choisir. Il y a plein de chaînes sur YouTube. Hein. Moi, j'ai aucun problème avec les autres personnes qui font des tutoriels. Hein. Pas de problème. Hein. Moi, il y a Taratube, enfin, je ne sais plus. Il y en a plein comme ça. Ils sont très très bons, les gars. Donc, faut pas hésiter à y aller. Moi, c'est pas dans ma nature de critiquer comme ça. Bon, je ferme la parenthèse. Hein. Donc, je ne fais pas de solfège. J'ai une formation en solfège, mais pourquoi faire? Je vais venir vous saouler avec ça. Vous allez en avoir marre. Voilà, on revient là-dessus. Bon, donc, comme je disais tout à l'heure, normalement, on doit frapper 6 fois les cordes parce qu'on entend 6 notes. Mais le fait qu'on utilise des outils d'effets, des hammers et des poulinoff, ça c'est pareil. Hein. Faut pas vous occuper, ça fait peur. Mais je suis obligé de le dire quand même, parce que hammer, en allemand, hammer une fois. Ça c'est du belge. Hammer, ça veut dire marteau. C'est-à-dire que, par exemple, quand je frappe l'accord de 2, je viens frapper à la deuxième case, comme un marteau, et le poulinoff, je poursuis, je suppose, hein. Peut-être que j'ai une grosse connerie, et alors marteau, et là ensuite, une fois qu'on a bien maîtrisé ça, au niveau des doigts, je ne sais pas. Voilà, vous pouvez utiliser ces doigts-là. Et revient en do. Voilà, je peux pas faire davantage pour que vous compreniez. C'est ça, travailler. D'abord, alors je reprends. Ça va être long, hein. Moi, je suis bavard, j'ai le temps. Ça sert à rien de courir pour le faire à moitié. Maintenant, si on fait comme j'ai dit, en frappant
une fois chaque corde. Voilà, c'est ça le plus dur du morceau. Autrement, au niveau du chant. Ba, 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 ou ba, ba. Par exemple, moi j'ai un fa, ensuite je vais avoir un fa mineur. Vous voyez, ça c'est vous qui le sentez. Alors maintenant, on va voir les accords sur le morceau. Pour que vous puissiez le jouer. Voilà. Je vais d'abord commencer par l'introduction. Donc pareil, je vous avais déjà expliqué la rythmique. Hein. Je vais mettre les accords là, et puis après voilà, c'est à vous de, il faudra essayer de faire très lentement, et après vous aurez la possibilité de, il faut que vous avez bien les accords en main, de le faire en arpège. Voilà, et l'arpège c'est uniquement, c'est pas un pimami, c'est-à-dire que vous frappez les cordes uniquement en descendant. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Bon, donc je recommence depuis l'introduction, mais en accord plaqué. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane. À l'Italie, il y a du lin étendu sur la terrasse, et c'est joli. Et toujours en été, compliqué que ça, parce qu'il faut prendre le temps de travailler chaque suite d'accords. Pour l'arpège, je ne sais pas comment je peux vous l'expliquer. Je pense qu'il faut vous amuser à la. C'est pas un pimami. Il faut que surtout faire ressortir les basses. Voilà. Bah, c'est tout ce qu'on va voir sur ce morceau. Le prochain que je vais faire, le prochain tutoriel,
Ce sera sûrement la chanson. Ben, je vous en reparlerai plus tard. Alors n'hésitez pas à mettre vos messages. Je vous remercie encore de venir nombreux. Et puis ben, à la prochaine fois, hein, les gars. Hein? Allez, allez. Ciao, ciao.